une grosse fourmi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Chris de la chaîne Mister Borevinyl, content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, présentation d'un steelbook que j'attendais tout particulièrement. Il s'agit du steelbook Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui vient de paraître en Blu-ray 4K. Donc on va déballer tout de suite, c'est après le générique les amis. Allez, c'est parti! Cette édition est parue un petit peu partout, mais c'est retrouvé sold out, hein, que ce soit cette édition simple en steelbook 4K, comme l'édition collector, hein, où il y a énormément, enfin plus de goodies, on va dire, dans un coffret, il y a un poster, il y a un jeu de société. Moi, j'ai préféré opter tout simplement pour cette édition. J'aime bien le film, mais bon, je suis pas un fan inconditionnel au point d'acheter le collector à 60€. Donc, on va déballer tout de suite cette édition. Alors, il y a un petit flyer. Pour une fois, il n'y a pas de point de colle derrière, donc c'est relativement sympa. Il est juste à coller comme ça au slip case, parce qu'apparemment, il y a un slip case. Donc ça, c'est une excellente nouvelle également. Alors, au niveau du flyer, donc on peut voir, hein, c'est une rénovation exceptionnelle, plus classe que le César Palace. Donc ça, c'est l'humour d'Alain Chabat. Hein. Effectivement, des jeux de mots en veux-tu, en voilà, un film dans une version décoiffante grâce à Cineboost, hein, et sa lotion magique qui l'a rendu plus grand, plus beau, plus fort. Donc voilà, au niveau de l'histoire, hein, je pense que tout le monde la connaît, c'est quand même un classique, hein, ce Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Pas de malus, c'est que du bonus. Alors au niveau des bonus, donc documentaire sur la restauration du film, commentaire audio d'Alain Chabat, teaser, pub Cineboost, le making of, le comment qu'on a fait, le dessin inédit, le director's cut. Donc à l'intérieur, on trouve le film en version restaurée en 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD, plus un DVD bonus. Donc il y a 4 disques, hein, dans cette édition, donc elle est relativement complète. Et au niveau du son, donc on trouve sur le 4K du français en audiovision. Alors ça, c'est un mystère, je ne sais pas, peut-être que c'est de l'Atmos. Et du Blu-ray également en audiovision. Donc ça, je verrai, hein, quand je mettrai le disque dans la bécane pour savoir un peu à quoi ça correspond. Donc voilà, au niveau du flyer, donc une édition quand même bien, bien complète. Hein. Alors, le steelbook, il ressemble à ceci. Donc on va d'abord faire le tour sans enlever le slip case. Voilà, au niveau de la tranche. Alors, donc on enlève le slip case. Et donc, vous pouvez voir, hein, un slip case bien sympathique avec le titre, hein, du coup, qui aura disparu sur le steelbook. Le nom des acteurs en haut avec la faute, hein, qui a été rectifiée au niveau de Alliant Chabat, Alain Chabat et non pas Alliant Chabat, comme on avait pu voir. Donc, on avait eu un petit peu peur au début. Hein. Donc, à l'arrière, il n'y a rien de particulier. Et donc, le steelbook, voilà à quoi il ressemble. Donc, il est de finition, bah, il y a un spot gloss, hein, ici, franchement bien sympathique, avec une sorte de type cadre noir, je trouve ça vachement classe. Du coup, le titre, hein, donc, est complètement excentré, et le verso, avec numéro bis, hein, sur cannabis, en spot gloss, et un super palmier. Très beau, hein, même au niveau des finitions, des teintes, tout ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très très réussi. À l'intérieur, donc il y a 4 disques, hein, donc le 4K Ultra HD, le Blu-ray, le DVD, et pas le film, donc les bonus. On va regarder rapidement ce qu'il y a
Donc ici, vous avez une image d'Alain Chabat et Monica Bellucci, hein, César et Cléopâtre. Et de l'autre côté, bon, rien de particulier en fait. Il y a juste une continuité entre les deux, hein, comme vous pouvez voir. Donc je suis un petit peu curieux de savoir ce que c'est au niveau bande sonore, de l'audiovision, je ne connais pas du tout. J'espère que c'est du Dolby Atmos, franchement ça serait cool. Je ne sais pas au cinéma sous quel format il était proposé. J'espère que ça sera ça. Donc voilà pour le steelbook. Donc on le remet dans le slip cover. Hein. Franchement, ça a du plus bel effet. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment très, très, très joli. L'édition est vraiment très belle. Donc bien content hein, d'avoir récupéré cet Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, hein, qui est mon préféré des Astérix. Hein. Tout simplement. Bon, écoutez, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager si celle-ci vous a plu. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude. Et puis, ben, on se retrouve très très prochainement pour de prochaines vidéos, les amis. Allez, ciao !